Alors, CB4Tech, comme son nom l'indique, c'est 4 domaines d'activité. La robotique, l'électronique, l'informatique et la mécatronique. À mon rôle dans la société, je suis CEO de CB4Tech et je m'occupe essentiellement de l'étude des cartes électroniques. Moi, je suis Antoine Bureau, CTO de l'entreprise. Et mon expertise est principalement dans le développement logiciel des applications embarquées. CB4Tech développe des solutions de cartes électroniques sur ces 4 domaines d'activité. Carte électronique avec l'expertise en électronique et l'expertise en informatique embarquée. En particulier, une expertise en intelligence artificielle et surtout, on apporte de l'intelligence et pas beaucoup d'artificiel. CB4Tech s'est penché sur la problématique de l'eau. L'eau est un sujet de première importance actuelle à cause du réchauffement climatique pour les humains et pour l'agriculture. Il y a des problèmes de partage équitable, nous avons pour exemple les conflits des mégabassines. Il y aura prochainement une augmentation du prix de l'eau et des restrictions quantitatives pour les agriculteurs. Les périodes de sécheresse seront de plus en plus importantes. Les systèmes actuels d'arrosage sont peu efficaces. Nous constatons jusqu'à 50% de pertes. L'approche de CB4Tech est de remettre la plante au centre des préoccupations. La plante a besoin d'eau et de nutriments. L'idée est d'apporter le juste nécessaire à la plante en termes d'eau et de nutriments. Pour cela, il faut mesurer en temps réel les besoins de la plante. Le projet se présente sous la forme d'une sonde avec capteur dans le sol. Cette sonde électronique, alimentée par un petit panneau solaire, renvoie les mesures vers une centrale. La centrale, cerveau du système, commande les vannes d'alimentation en eau et en grès, suivant les besoins des plantes. Pour cela, la centrale utilise un algorithme d'intelligence artificielle pour traiter les données. Cette centrale, dotée d'un algorithme d'apprentissage, s'adapte en fonction des plantes et des variations climatiques. Le but du dispositif est de diminuer les pertes en eau. Nous, dirigeants de CB4Tech, nous avons pris conscience de l'importance de la préservation de l'eau et de notre propre démarche vis-à-vis de l'empreinte carbone. Nous avons donc décidé de concevoir ce produit avec des supports de panneaux solaires en bambou, d'utiliser la pression 3D, de concevoir les produits 80% recyclables.